Salut à tous et bienvenue sur expériencedegeek.com. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ce coup-ci comment mettre en place un système de sauvegarde automatisé à l'aide d'un tuto que je vous avais déjà fait et d'une commande terminale. Donc pour cela, on va utiliser une application qui se trouve déjà sur le Mac plus une autre application qu'il faudra télécharger. Pourquoi ? En fait, simplement pour vous éviter de passer trop par les lignes de commande et par le terminal pour le mettre en place. Vous allez voir, c'est vraiment extrêmement facile. Alors, quelle est la différence entre les précédents tutos que je vous ai fait ? En fait, tout simplement, c'est que là, je vais vous mettre en place le système de sauvegarde automatisé, toutes les 30 minutes, par exemple. Mais en même temps, ça va vous permettre d'avoir des options beaucoup plus précises que Time Machine et de n'avoir qu'une seule copie sur votre disque de sauvegarde. Time Machine, en fait, si vous vous souvenez bien, Time Machine va faire quoi ? Il va faire une première sauvegarde de tout votre système et ensuite, dès qu'il va avoir des modifications d'un fichier à intervalles réguliers, il va vous sauvegarder uniquement le fichier qui aura été modifié. Et il va garder des liens symboliques, en fait, sur les précédents fichiers qui étaient déjà sauvegardés. Donc c'est un système qui est vraiment très très bien, qui est vraiment exceptionnellement bien conçu par Apple. Par contre, l'inconvénient qu'il y a, c'est que ce système-là va vous bouffer énormément de ressources au niveau du disque. Et par moment, en fait, il est bien d'avoir des sauvegardes de certains documents ou certains fichiers sur un support externe pour avoir une sécurité sur la sauvegarde. Donc c'est ce que moi j'ai en fait. Je sauvegarde mon système Mac en Time Machine sur un NAS. Et je veux sauvegarder en fait certains documents sur un disque externe. Je ne veux pas faire de Time Machine en fait sur le disque externe. Je veux surtout enregistrer certains documents précisément. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas Time Machine. Ça veut dire que vous n'aurez pas accès à multitude de versions sauvegardées sur le disque externe. Par contre, vous aurez une copie conforme à chaque fois des modifications. Donc si vous effacez un fichier sur votre disque, ce fichier-là sera effacé également sur votre sauvegarde. Voilà, alors il faut bien partir de ce principe-là, c'est que ce n'est pas Time Machine, c'est vraiment un script de sauvegarde automatisé qui vous permet également de supprimer les fichiers si vous les avez supprimés sur le dossier de sauvegarde. Donc comment ça fonctionne ? C'est très simple. On va avoir un dossier A, donc je vous ai fait sur le bureau un dossier A avec un dossier test. Et le dossier B, ça va être le dossier qui va récupérer, en fait, je vais même le mettre en français, je vais le mettre en récupération de données. Donc c'est celui qui va être la source de notre sauvegarde, la destination, pardon, de la sauvegarde, notre source va être le dossier A. Donc comment ça fonctionne ? On va simplement utiliser une commande terminale que je vous avais déjà mis sur le blog, qui s'appelle rsync. Alors, pour cela, je vais lancer le fichier Spotlight et on va simplement utiliser Automator. Une fois qu'on a Automator, on va lancer un processus. On va choisir un processus ou une application. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut tout à fait faire une application ou un processus, peu importe. On va utiliser l'application. Maintenant, on va chercher dans le nom. Le shell... On va faire une recherche sur shell et on va trouver une variable qui s'appelle exécuter un script shell. On double-clique dessus et on a lancé notre première variable, en fait notre premier script shell qu'on va modifier en fait. Donc pour cela, on va supprimer le cat, on va aller dans les options et on va choisir d'ignorer l'entrée de cette action. Et on regarde bien que les données en entrée sont vers stdin. Ou comme argument, donc on va laisser le vert stdin, donc le bin bash. Maintenant, on va simplement lancer la commande rsync. Donc moi, je l'ai sauvegardé. Je fais un contrôle V. Alors la commande rsync, c'est rsync espace tiret orov, donc H majuscule A U R O V espace tiret tiret delete D E L E T E. Et ensuite, on va mettre le fichier d'entrée et le fichier de sortie. Donc, on fait un espace. Le premier dossier qu'on va rentrer, ça va être notre dossier source, celui qu'on veut sauvegarder. Donc, le dossier source, c'est le dossier A. Donc, je prends le dossier A, je le glisse à l'arrière de ma commande et je lâche.
Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va simplement rajouter le chemin d'accès pour aller vers ce dossier. Il ne faut surtout pas oublier de mettre des trémas avant et arrière. Pourquoi? Parce que si vous avez des espaces dans les dossiers, en fait, le script va s'arrêter en pensant que l'espace, en fait, est la fin de l'exécutable. Donc, il faut surtout pas oublier les crochets. On refait un espace, on met un tréma, on met le dossier B de récupération. Voilà, et on va mettre un espace à l'arrière. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un petit lag. Voilà, donc là, notre première ligne de code est déjà mise. Ce qu'on peut faire, c'est tout à fait, il est tout à fait possible de mettre une entrée et de mettre plusieurs lignes de synchronisation. Donc, comme vous pouvez le voir, il suffit juste de mettre les lignes, de mettre notre dossier source à chaque fois et notre dossier de destination. Il est tout à fait possible de mettre des fichiers uniquement plutôt qu'un dossier. Alors là, c'est vraiment comme bon vous semble, c'est en fonction de ce que vous voulez sauvegarder. Une fois que vous avez fait ça, donc moi je vais juste pour ce tuto vous faire une première entrée, je vais faire fichier, enregistrer, je vais l'enregistrer au format application, voilà, que je vais appeler test, et je vais l'enregistrer. Voilà, donc là notre premier shell est fait et on peut le quitter. Alors je vous conseille, pour être sûr que ça fonctionne en fait, d'ouvrir votre application que vous venez de créer, j'ai oublié de le préciser, et de l'exécuter une première fois en vérifiant bien que dans l'historique vous avez le traitement qui a été réussi, le processus est terminé et que vous n'avez pas d'erreur. Si vous avez une erreur, ça veut simplement dire que vous êtes trompé dans le chemin d'accès ou que vous avez oublié de mettre des espaces ou des apostrophes. Donc là, si je regarde le dossier B maintenant, je dois avoir le dossier A qui a été sauvegardé. Donc c'est tout à fait ce que je voulais. Et dans le dossier A, j'ai le dossier test. Donc c'est parfait, ça a fonctionné. Donc je vais le supprimer pour le test. Voilà, donc là, le script fonctionne parfaitement bien. On peut le quitter. Et si je le lance et que j'ouvre le dossier B, on peut voir que ça fonctionne parfaitement bien. Donc l'application est fonctionnelle. Maintenant, pour pouvoir lancer ce script-là de manière automatique, on va simplement utiliser un logiciel qui s'appelle Chronix. Donc pour cela, je vais vous laisser le télécharger sur Safari. C'est vraiment très simple, vous allez sur Safari, vous tapez Chronix, C-R-O-N-N-I-X. Ce Chronix là en fait est une façon de mettre en place des exécutions automatiques de fichiers. Donc comment ça fonctionne? Moi par exemple j'ai un fichier qui va me sauvegarder mon disque toutes les 30 minutes. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. On se met sur le compte courant, le compte utilisateur où on veut lancer le script. Donc là pour mon cas c'est mon compte perso MetalNodeUG. Je vais créer un nouveau script. Je vais simplement effacer la commande, je vais parcourir, je vais aller sélectionner sur le bureau mon fichier test.app et je vais précéder de user bin open. Voilà, donc ça va me permettre de l'ouvrir. Ensuite, au niveau des intervalles, je vais me mettre en version simple. Je vais dire que je veux que toutes les semaines ce script fonctionne. Je veux que tous les mois, ça se fasse, tous les jours du mois, toutes les heures. Et au niveau des minutes, c'est là que ça devient important. Je vais demander à ce que ça soit toutes les 30 minutes qui me fait ça, qui me fait cette sauvegarde. Alors, je peux très bien cliquer dessus pour que ça soit automatique et que je le lance toutes les 1 heure, par exemple, ou toutes les 2 heures, ou toutes les 3 heures, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, je ne veux pas ça. Je veux que ça se fasse toutes les 30 minutes. Et je vais faire nouveau. Une fois que le nouveau sera enregistré, vous faites enregistrer et là votre fichier est prêt à être déployé. Donc quand il va se lancer, vous aurez une petite roue dentée qui va apparaître dans la barre de menu et une fois qu'il sera fini, il va disparaître. Donc toutes les 30 minutes en fait, il va se lancer, il va faire votre sauvegarde et il va faire ça de façon automatique.
Si vous voulez effacer votre script, il suffit de revenir sur Chronix, d'effacer la ligne qui vous incombe et de l'enregistrer à nouveau. Donc Chronix est quelque chose de gratuit, c'est simplement pour vous éviter de passer par le terminal et ça va vous permettre ainsi de faire des sauvegardes toutes les 30 minutes de vos dossiers, de vos fichiers et de vos applications. Voilà, voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. Bien entendu, je vous mettrai les lignes de code à rentrer sur le site en dessous de cette petite vidéo et comme ça, ça vous permettra de faire des sauvegardes automatisées à intervalles réguliers de votre système et de vos fichiers. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur expériencedegeek.com. Allez, ciao, ciao.